wale we tarae. Oh, tarabana. Chami wa mono apaso chio bilo me. Onjama komi we malakuro bilo bisi. Oh, le kumbale we. Ici. Alléluia. Alléluia. Au tribune, on n'entend pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tous ensemble, on peut dire Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, celui qui règne et qui vit, celui que nous attendons. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton frère à côté, aujourd'hui c'est le dernier jour sur ce terrain. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Après toi. Alléluia. Nous sommes restés ici pendant près de 5 jours. Le Seigneur fait toutes choses bonnes. Nous bénissons tous ceux qui sont restés là depuis le début jusqu'à ce jour. Mais toi qui es venu ce soir, ne t'en fais pas. C'est ce soir que Dieu va te visiter. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier, rendre gloire au Seigneur ensemble, chacun pour sa part. Demande au Seigneur de disposer son cœur afin que la distraction ne soit pas au milieu de nous, et que tout ce qui se fait se fasse dans la puissance, gloire et la puissante présence du Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir, toi le seul Saint, celui qui règne dans les cieux et sur la terre, celui qui est le maître de ces lieux. Père, nous te présentons toutes choses afin que tu prennes le plein contrôle.
Père, je prie au nom de Jésus que tout ce qui va être fait ce soir, cet esprit, comme tu en as décidé depuis la nuit des temps, fais-le, je t'en supplie. Merci Seigneur, parce que tu disposes nos cœurs, tu disposes nos cœurs à t'écouter, à te suivre. Nous sommes là, Père, pour recevoir, ô Dieu, un encouragement, une parole de connaissance, une révélation de ta part. Je t'en supplie que mon cœur à moi soit disposé pour voir et contempler la manifestation de ton esprit. Nous nous opposons contre toutes les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous nous opposons contre toute distraction. Nous nous opposons contre toute contradiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence ce soir. Est-ce qu'on peut l'acclamer, ce Dieu merveilleux? Gloire à ton Saint-Nom Jésus. Gloire à ton Saint-Nom Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vraiment tu es là, tu as un témoignage pour édifier les enfants du Seigneur? Tu as été guéri, tu as été visité la nuit dernière. Dieu a opéré un miracle dans ta vie. Est-ce que tu peux venir rendre gloire au Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. Tu es le même, ô Seigneur, et tu ne changes pas. Le ciel est là. Aujourd'hui pour ce que Dieu a fait pour ma famille, pour moi. Il y a de cela, depuis mardi, j'ai demandé au Seigneur de me donner le don de révélation et de discernement. J'ai voulu voir le frère Chora, mais tellement il était occupé, donc je suis parti, je me dis, c'est pas grave. Mais arrivé à la maison, en dormant, Dieu a commencé à se révéler à moi. Il s'est révélé à moi, il m'a montré la scène du bac. Il m'a tout montré, il m'a dit, mon fils, le bac est acquis, ne crains pas. Jusqu'alors, j'ai douté encore. J'ai douté. Mais c'est aujourd'hui, quand je suis arrivé, il a attesté sa parole. C'est là où j'ai réalisé qu'en fait, le songe que j'ai vu, où Dieu m'a montré comment ça se passait, mon bac, et comment je devais être, je devais avoir mon bac d'office, c'est réalisé. Et il me l'a clairement montré, et j'ai béni Dieu pour cela, quoi. Et je tiens à encourager tous ceux qui apprennent. L'école, pour faire l'école, on a besoin de Dieu. Pour apprendre du Saint-Esprit. Prier Saint-Esprit, louer Saint-Esprit, manger Saint-Esprit. Pour tout faire, on a besoin de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit pour tout faire de notre vie. Donc frères et sœurs, je vous encourage à rester dans la prière, la louange, mais par l'Esprit de Dieu. Vraiment, je vous bénis pour cela, quoi. Je bénis Dieu pour cela et merci pour ce qu'il a fait pour ma vie, quoi. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, sois fort. Bonsoir. Bon, moi c'est Paulina, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si je viens aujourd'hui témoigner, c'est parce que Dieu m'a sauvée.
il m'a délivré. En fait, mon problème, c'est quoi? J'étais envoûtée par un esprit de sirène des eaux. J'aimais séduire les hommes, même ceux qui ont l'âge de mon père. Moi, ça ne me disait rien. Tant que je n'avais pas atteint mon objectif, je ne m'arrêtais pas. Je prenais jusqu'à l'argent, les trucs comme ça. Maintenant, ça tout, à travers tout ça, mes études ont été perturbées parce que je mettais plus ma tête dans ce genre de choses. Et j'ai été allée jusqu'à me faire taquer et penser même à me faire percer l'ombrine. J'ai été aussi jusqu'à aller avorter. Je n'avais que 15 ans. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, bon, mardi, je me suis fait baptiser, j'ai remis ma vie en Christ et j'ai vu aujourd'hui que Jésus m'aime parce que sans lui... Parce que même mardi, quand je suis arrivée ici, je suis venue avec l'esprit de vouloir séduire les garçons qui se trouvent ici. Je ne venais pas pour assister ce qui se passe ou bien pour venir entendre la parole. Mais grâce à Dieu, j'ai été touchée par le témoignage de la sœur et j'ai réussi à me faire baptiser, à donner ma vie en Christ. Bonsoir tout le monde. Je me prénomme Grâce. Si je suis ici ce soir, c'est pour le Seigneur Jésus qui règne dans mon cœur. Et je sais que son esprit est là. Bon, ce que j'aimerais vous annoncer, c'est que le jour où j'ai pris mon baptême, le 4 août, en rentrant chez moi, j'ai fait un rêve où le démon voulait me ôter la vie. Oh Jésus! Mais son nom est puissant. Même dans le rêve, Jésus sauve. Je dis Amen. Rien que son nom seulement. Son nom. Son nom est puissant. Je dis que Jésus, il est Seigneur. Il est avec toi partout où tu passes. Donc, j'aimerais ici vous dire à tous ici que Jésus est vraiment Seigneur. Quel que soit l'ennemi, quel que soit le démon, même dans vos sens qui vous poursuit, mais Jésus est là, rien que son nom. Celui qui sauve et celui qui te délivre. Jésus nous aime tous. Et c'est la bonne nouvelle que je viens vous annoncer, que Jésus nous aime. Comme dans nos péchés, Jésus nous aime. Alléluia. 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 Amen. Gloire à ton Seigneur Jésus. Croyons que c'est Dieu seul qui filtre ce qui rentre dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Voilà. Donc écoutons avec les oreilles de l'esprit. C'est Dieu qui nous fortifie. C'est Dieu qui nous encourage. C'est Dieu qui connaît l'état de nos cœurs. C'est Dieu qui perpétue toutes choses. Mais en même temps, c'est l'occasion de nous dire que toutes les paroles qui ne sont pas de Dieu, nous prions au nom de Jésus, que ça ne s'enracine pas dans les cœurs au nom de Jésus. Allez, amen. Il y a une sœur qui a été guérie hier. Je ne sais pas si elle est là. Écoutons-la. Amen. Bonsoir. Le Seigneur, hier, il a fait des merveilles dans ma vie. Hier, pendant qu'on était en train de prier sur la prophétie, je suis tombée. J'étais en haut, en tout cas. J'étais là-bas, à l'estrade. J'étais là-bas et je commençais à prier. Je priais, il y avait des paroles qui sortaient en moi. Mais au fond, il y avait des paroles qui étaient en moi, mais le Seigneur voulait encore que je sois libérée. Et j'avais, dans mon enfant, j'ai subi, j'étais malade, mais aujourd'hui le Seigneur m'a fait grâce.
et il m'a délivré du serpent des eaux. Je lui remercie. Je remercie pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Parce que j'étais orgueilleuse. Je mets les disques. Je me suis fait tatuer. Ma grande soeur est là. Elle peut confesser ce péché. Elle était en colère parce que je me suis fait tatuer. Parce que le Seigneur n'attendait pas ça de moi. Je marchais dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans l'escroquerie. J'escroquais des hommes. Mes frères, mes soeurs, vous qui êtes encore dans ça, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Regardez ce qu'il fait dans nos vies. Si aujourd'hui je suis délivré, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je me suis baptisé mardi. Et hier, quand je suis arrivé, il y avait l'un de mes frères, on priait ensemble. Je me suis baptisé, mes soeurs l'avaient annoncé ça. Il a dit, mais oh, est-ce que Delphine peut se baptiser? Celle qui vit dans le péché, est-ce qu'elle peut se baptiser? Je lui disais, ne me sous-estime pas. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Dans ma famille, je suis très différente. Et le Seigneur a commencé à m'utiliser par ma grande sœur. Il a commencé à envoyer des messages sur ma grande sœur. Oh Yeshua, tu es digne d'être glorifié. Yeshua, tu es digne d'être magnifié. Yeshua, pardonne-moi parce que j'offense mes sœurs. J'ai mis ma famille dans la honte. Yeshua, je viens vers toi. Yeshua, c'était ça ma confession. C'était ça mon péché. Vous qui vivez dans la prostitution, dans la fornication, laissez de vivre dans ces choses. Parce que ces choses ne glorifient pas le nom du Seigneur. Il nous aime. Il nous aime. Alléluia. Il y a la petite Jessie qui cherche sa grand-mère. 4 ans. Sa grand-mère est ici. Qu'elle ne panique pas. Elle fait le tour. L'enfant se porte bien. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les frères et sœurs. Si je suis ici ce soir, je m'appelle Monsieur Boissa Yves Johnny. Je suis ravi d'être guéri parce que depuis le 22 et depuis le 6, j'ai pris mon baptême. Je n'entendais pas bien l'oreille droite. Là, à ce moment, je suis guéri par le Seigneur. Donc, les frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Si nous sommes ici, que Dieu peut nous guérir. C'est Dieu qui est le seul sauveur. C'était de suivre, que vous suivez le message de Dieu. Et c'est très important. Dieu est là pour sauver l'être humain. Et que Dieu est là pour nous sauver tous, autant que nous sommes. Venez trouver votre guérison chez Dieu. Merci. Alléluia. J'ai une question à lui poser. Tu avais mal à l'oreille depuis combien de temps? Depuis le 22. Depuis le 22 du mois d'août, juillet. Ce mois-là, oui. Donc c'est sûr que depuis 2 jours, tu as été guéri. Je me sens très bien, j'entends très bien. En tout cas, il n'y a pas de problème. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Garde ta guérison, mon frère. Bonsoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Verena. Je ne vais pas tirer longueur, je suis juste venue pour remercier l'Éternel, car ça fait 4 ans que je souffre des douleurs abdominaux. J'ai mal au ventre depuis 4 ans. Mais mardi, quand je suis venue ici pour la première fois, on a prié sur moi et le Seigneur m'a accordé la guérison. Je suis partie chez les médecins, ils me donnaient des médicaments, mais vraiment ça n'allait pas. Depuis mardi, j'ai trouvé la guérison. Je n'ai plus mal au ventre comme avant. Je remercie vraiment l'Éternel. Pour tous ceux qui vivent dans le péché, comme moi je vivais avant, vraiment, il faut vous repentir, car le Seigneur est notre vie. Amen. Alléluia. J'ai certainement tenté, est-ce que vraiment ce Dieu guérit? Parce que ma situation ne change pas. Notre Dieu est le Dieu qui guérit. Notre Dieu délivre. Notre Dieu sauve. Ce soir encore, si tu es là, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Bonsoir. Moi, c'est Leslie. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux.
Jésus m'a guéri d'une maladie que les gens ne... Enfin, d'une maladie qui n'a pas de remède ici sur la terre avec les hommes, en fait. Jésus m'a guéri du sida. Non. Jésus est merveilleux, je vous dis. À ceux qu'on a chassé les démons ou qui ont accepté le Seigneur depuis mardi ou depuis, vraiment tenez ferme. N'abandonnez pas, parce que quand un démon sort d'un corps, qui va chercher cet autre démon plus fort, quand il revient, il trouve le terrain vide, il rentre là, ta condition sera pire. Et c'était mon cas. J'ai reçu le Seigneur et je l'ai abandonné. Quand j'ai abandonné le Seigneur, ma condition était pire. Je suis allée me choper le sida. Même avant que je ne fasse les examens, je savais déjà parce que je connaissais ma vie. Ça ne m'a pas trop étonnée. Juste ça m'a quand même fait mal de savoir que oh oh, c'est la réalité. Mais quand même, ça ne m'a pas étonnée parce que je connaissais ma vie. Vraiment, sortez du péché. Sortez des rapports sexuels hors mariage. Je vous dis, mes soeurs, ça ne paye pas. C'est Jésus le véritable. Je vous dis la vérité. Même si aujourd'hui je meurs sans me marier, j'ai Jésus de Nazareth. Que Dieu soit béni. Je vous dis la vérité. Ne courez pas après les hommes, mes soeurs. Ne courez pas après les hommes, après le mariage, après quoi que ce soit. Courez après Jésus de Nazareth. Je vous dis la vérité. Je suis fière aujourd'hui d'appartenir à Yeshua Mashiach. Ne repartez plus dans le monde. Tu ne peux pas repartir dans ce que tu as vomi. Ce n'est pas possible. Ne repars plus dans ce que tu as vomi. Tu as pris la résolution d'accepter Jésus. Tu as pris ton baptême. Ok. Sanctifie-toi, marche dans la sainteté. Jésus aime les gens qui marchent dans la sainteté. C'est pas seulement j'ai pris mon baptême, c'est bon. Non, c'est pas fini. Marchez dans la sainteté, sanctifiez-vous. L'humilité précède la gloire. C'est pas parce que tu as accepté le Seigneur que tout va aller mieux. Non, non, c'est pas ça. Le Seigneur va te briser, il va te façonner. Et c'est ça l'évangile. Je vous dis, mes frères et mes soeurs, il y a quelqu'un qui veut être sauvé, mais dispose ton cœur. Je ne suis pas meilleur que toi. Si tu as le sida, Jésus va te guérir. Je ne suis pas meilleur que toi. Je n'ai même pas mérité ça. Vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce. Je n'ai pas mérité ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'élever? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Oui! Oui, le sida est une maladie qui terrasse. Même les médecins n'arrivent pas à trouver un remède. Mais seul, elle rafale le remède de tout. Fais confiance à ce Dieu puissant. Il va te visiter, il va te guérir. Il va t'apporter la paix que tu cherches. Continue à tenir dans ta voie. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Patricia. Jésus m'avait guéri depuis des années. J'étais malade, j'avais l'esprit de folie. Je suis allée un peu partout chez l'Nganga, rien à faire. J'ai abandonné l'Nganga pour suivre le Seigneur Jésus dans une assemblée. Et c'est là où Jésus a étendu sa main. Je vivais dans la fornication, les boîtes de nuit. Les bars, je commence du 1er au 31 avec mes soeurs du quartier. On nous appelait taxibus. Ah oui, on nous appelait taxibus parce qu'on ne se reposait pas. On commençait le matin jusqu'au soir, danser dans les bars, aller partout dans les motels. J'ai abandonné la fornication à 33 ans. Ça fait 12 ans que je vis dans la sanctification avec mon Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur! Tu es digne de louange et d'adoration. Merci, Seigneur. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Il restaure ma vie. Il restaure mon cœur. Il me change. Il m'a dit, mardi, tu es entre les mains du potier. Merci, Seigneur, que le nom de Jésus soit glorifié. Bonsoir, je suis Héloïse. Je voudrais rendre gloire à Dieu ce soir parce que hier le Seigneur m'a guéri. Je souffrais des intestins. J'ai fait des examens et le médecin m'a dit
que j'avais des nœuds. Ça fait que je faisais une semaine, deux semaines sans aller au sel. Et quand ça arrivait, je m'évanouais. Et hier, quand le frère a dit que le Seigneur guérit quelqu'un des intestins, j'ai eu comme une pression sur mon ventre et au niveau du dos. Ça faisait tellement mal. Je suis restée, je ne pouvais pas me lever pour venir témoigner. En même temps, je suis allée à la maison. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que c'était terrible. Je bénis le Seigneur parce que j'avais comme un poids là au côté, au flanc droit. Ça a disparu. Et je bénis le Seigneur pour sa guérison qu'il m'a accordée hier. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Ma soeur, viens s'il te plaît. Est-ce qu'on peut prier, rendre gloire au Seigneur pour cette jeune servante du Seigneur? Père, nous te bénissons pour cette fille. Nous croyons que c'est pour ta gloire que tu l'as appelée. Tu l'as guérie pour confondre au Dieu de gloire la médecine. Tu l'as guérie pour qu'elle soit un instrument pour ta gloire. Nous la recommandons dans ta grâce, Père, afin que toute sa vie, qu'elle ne s'éloigne pas de toi, que toi seul tu la tiennes par la main. Marche toi-même devant elle. Ferme la marche derrière elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu l'utiliseras pour la gloire de ton nom dans cette nation. À toi seul, l'honneur, la louange et les acclamations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir. Je m'appelle Michel. Je suis arrivée ici avant-hier et je suis venue rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a délivrée du monde, du péché. Parce que j'étais vraiment ancrée dans le péché. J'allais dans les bars, dans les boîtes de nuit. Je sortais avec les hommes n'importe comment. Mais le Seigneur m'a délivrée, vraiment. Et je prie vraiment que tout le monde puisse s'accrocher à Jésus. Parce que c'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui sauve, je vous assure. Il m'a libérée de l'immoralité sexuelle dont j'étais emprisonnée pendant des années. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu penses que ton témoignage peut édifier l'Église? Est-ce que tu penses que ce que les autres ont dit, tu peux aussi témoigner pour édifier le peuple du Seigneur? Si tu es là, tu peux avancer. Je t'avertis que c'est le dernier jour. Le Seigneur t'a parlé, a fait le miracle dans ta vie. Depuis des années, tu n'arrives pas à témoigner. Voici l'occasion qu'il t'accorde pour pouvoir témoigner de sa gloire. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Le témoignage est une arme que Dieu nous a donnée pour renverser les forces de l'ennemi, pour renverser les stratégies de Satan, pour renverser tous les plans que Satan entrevoit vers et contre nous, les enfants du Seigneur. Lorsque tu témoignes, tu fortifies une âme meurtrie. Lorsque tu témoignes, tu fortifies quelqu'un qui était dans ta situation. Lorsque tu témoignes, tu libères les gens qui sont emprisonnés. Est-ce que mon frère, tu peux monter? C'est pour le témoignage. Il y a un petit garçon. Comment tu t'appelles? Marie. Il y a un jeune garçon qui cherche Marie. Essayons de garder nos enfants. Le Roli cherche Marie. S'il vous plaît, tous ceux qui viennent ici avec leurs enfants, vraiment, prenez la peine de les retenir, s'il vous plaît. Les enfants s'égarent et c'est pas bon. Prenez la peine de vérifier si votre enfant est à côté de vous et
au-delà de ce qui se fait, veillez sur les enfants. Amen. Alléluia. Moi, c'est la sœur Victoire. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je me suis convertie le 12 février 2015 au Lumi. Et le Seigneur a fait des grandes choses vraiment extraordinaires. Et vraiment, il m'a délivré d'un endroit très loin, où moi-même, je pensais pas sortir de là-bas. Et lorsque le frère est arrivé, il y a eu de trucs instantanés qui se sont passés, des choses vraiment imprévues, parce que lorsque Dieu fait, il ne provoit. En fait, on ne provoit pas, il fait directement, c'est tout. Et après cela, je suis restée avec des douleurs très terribles. Au fait que chaque nuit, je ne dormais pas parce que mes jambes, mes genoux s'enflaient, mon dos. Au fait, c'était tellement terrible et je passais toutes mes nuits à dormir jusqu'après le séminaire. Et c'est comme ça que je disais à certains frères que je ne me sentais pas bien. Et vraiment, je ne me sentais pas bien aussi parce que depuis 3 ans, ça faisait 3 ans, je n'avais plus eu des menstrues. Et lorsqu'on est en train de prier avec des frères, le Seigneur a permis à ce que je puisse avoir des menstrues. Parce que normalement, je n'ai plus de. Les trompes. Normalement, je n'avais pas de trompes. Et le Seigneur a permis que je puisse avoir des menstrues. Ce qui me montrait déjà un signe. Et après cela, c'était toujours terrible. Et certains frères me. En fait, je disais aux frères de ne pas prier pour moi parce que c'est le Seigneur qui m'a enlevé là où j'étais, il m'a emmené. Et tout récemment, avant-hier que ça s'est passé pendant qu'on est en train de parler, de prêcher, et puis de disperser un peu l'onction, je suis sortie pour rentrer chez moi. Et lorsque je rentrais chez moi, les étouffements ont commencé. C'était vraiment atroce. Et là, j'ai senti que je rendais mon âme. Et j'ai béni Dieu parce qu'il y avait des sœurs et des frères avec moi. Et c'est comme ça qu'on m'a transporté du dehors pour m'emmener ici. Et lorsqu'on m'a emmené ici, c'était un peu compliqué parce que je sentais qu'il est là, parce que je sentais que c'était déjà la mort, c'était la fin pour moi. Et comme Dieu n'abandonne pas, quand il délivre, il ne va faire que délivrer. Si on craint vraiment, on demeure dans la sanctification. Et lorsque je suis arrivée, on m'a amené ici. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai repris conscience. Et vraiment, mais je n'avais pas recouvert la vue. J'étais aveugle pendant au moins 3 minutes, un truc comme ça. Et vraiment, c'était terrifiant pour moi parce que je ne voyais plus. Et il y avait des voix qui me chuchotaient à l'oreille que non, là tu vas mourir. Et vraiment, je sentais que c'était ce petit lien-là qui n'était pas encore quitté. Et vraiment, je disais, Seigneur, mais si je perds la vue, en tout cas, il vaut mieux mourir que de perdre la vue. Et j'ai béni Dieu parce que le frère Chora, quand il est arrivé, et des sœurs aussi qui me disaient, Victoire, ne t'affole pas, reste calme. Crois que tu vois. Mais dans le cœur, j'ai dit, mais vous, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Moi, je ne vois pas. Et vraiment, c'était ça. Et j'ai commencé à me poser la question. Au fait, le Seigneur, c'est comme si le Seigneur me disait, soit tu es chrétien ou soit tu ne l'es pas. Être chrétien, c'est avoir l'assurance que peu importe ce qui pourra arriver, même si que maintenant je ne vois pas, même si que maintenant je n'ai rien, mais je crois que j'aurai. C'était un peu ça. Et juste par une parole. Et pas la foi que j'avais, j'ai recouvert la vue. Et je bénis le Seigneur pour cela parce que je pense bien que si je partais comme ça, je devais être totalement aveugle et tomber directement. Je bénis Dieu pour cela. Alléluia. Nous nous excusons pour ceux qui n'ont pas pu témoigner. Compte tenu du temps, nous avons besoin de la parole. Alléluia. Nous nous comprenons, nous sommes les enfants du roi. Laissons le temps pour écouter la parole.
radio. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les autres? On va se saluer les uns les autres. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu vas saluer ton voisin. Regarde à ta, sur ta gauche, à ta droite, à ta gauche aussi. Ton voisin ne te salue pas, ben salue, toi va vers lui pour le saluer. Tout à l'heure et ça venait. Alors on peut tous l'apprendre. Alléluia. Sois glorifié, papa. Vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes là? Tous les mains. Comme ça. Seigneur, ce soir encore, merci parce que tu as commencé avec nous, Seigneur, en ce lieu. Tu nous as agréablement, Seigneur, surpris. Tu nous as appris, tu nous apprends. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes que ton Saint-Esprit attire, a attiré en ce lieu. Seigneur, Père, nous prions pour que toutes les pensées te soient soumises et que ton nom seul soit glorifié, Adonai, au nom de Yeshua. Nous saluons tous les sorciers qui sont là.
Nous voulons dire que nous les aimons. Nous voulons juste vous prévenir, ça ne sert à rien de vous fatiguer. Ça ne marchera pas. Vous n'avez pas vu que ça n'a pas marché. Alors, quittez le diable et venez. Voilà. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est grand. En tout temps, il a mis ce chant de louange à moi. Dieu est grand. Oh! En tout temps, à travers la nuit, la lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps, Dieu est grand. Oh,
voulons nous incliner, Seigneur, devant ta majesté. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Nous voulons te dire, Seigneur, merci. Que nos prières montent vers ton trône, Seigneur. Reçois toutes ces prières de reconnaissance, toutes ces actions de grâce. Ô Père, parle-lui. 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 Intercédons pour la nation. Ô Dieu, merci pour ta présence ce soir, Seigneur. Merci pour la Pentecôte, Seigneur, ce soir. Ô Dieu. Ô Dieu, ô Dieu, les 24 anciens se prosternent devant le trône de majesté. Les 4 êtres vivants se prosternent devant ta majesté. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous incliner. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu d'Israël, ô le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous voulons te dire merci, Père. Oh! Le char d'Israël. Je t'aime. Oh,
parole, s'il te plaît. Aime le Dieu tout-puissant. Voici les actions de grâce. Voici les actions de grâce. Voici le remerciement. Mon Dieu, mon roi, tout est mon Dieu. Voici le Père.
Zambé Nanga. C'est mon papa chéri, papa. Papa est là, papa est là, papa est présent. Papa est là. Père, je t'aime. Je t'aime, papa. Tu veux le voir. Le voici. Oh, le voici. Le voici, toi qui voulais le voir. Toi qui voulais le voir. Comme cette femme qui perdait son sang. Le voici. Le voici. Le voici. Oh Dieu. Oh oui. 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 Tu as cette liberté de pouvoir lui parler. Tu as la liberté de pouvoir pleurer dans sa présence. Magnifique. 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 Maman. Oh, magnifique. Kumama Yahweh. Magnifique. Kumama Yahweh. Magnifique. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Magnifique. Kumama Yahweh. Mama papa na biso. Magnifique. Kumama Yahweh. Kumama elonga na biso. Magnifique. Oh, mon sang, il a
Mon espérance, c'est toi mon espérance. Tu es Dieu. Qui veut l'aimer encore? Oh, magnifique Seigneur. Qui a une Bible ici? Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut lui faire un coucou? Un bisou? C'est le dernier jour. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait. Je veux juste lire un passage. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était quoi? Waouh! Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Au commencement. Avant qu'il y ait quoi que ce soit. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit. La parole était là. Et la parole était la lumière. Et c'est cette lumière qui a créé les hommes, qui a tout créé, la lumière. La Bible dit, la lumière est venue dans le monde. Alléluia. Mais les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Et la Bible dit, toujours dans Jean, celui qui fait le mal ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient manifestées ou dévoilées ou condamnées. Mais celui qui fait ce qui est bon vient à la lumière car ses œuvres sont faites en Dieu. La lumière. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il amène la parole. Avant que Dieu n'intervienne dans ta vie, il amène la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Sort. Au nom de Jésus, sors, pars.
La terre devint informe et vive. Il se passe des choses. Hein? Il se passe des choses. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Acclame Dieu. Oh Dieu. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Acclame Dieu. La terre devint informe et vide. Et Dieu dit à Mars. Dieu dit, c'est Amar, le verbe parler. Que la lumière vienne. Que la lumière apparaisse. La terre devint informe et vide. Nos églises sont devenues informes et vides. Beaucoup de chrétiens sont devenus informes et vides. Beaucoup de couples sont devenus informes et vides. Et Dieu a vu la souffrance de l'église au Gabon. Dieu a vu à quel point des pasteurs sont devenus informes et vides. Avant que Dieu n'intervienne, il envoie la parole. Dans leur détresse, ils crièrent à Yahweh et Yahweh envoie sa parole et sa parole les guérit. Oh Dieu. Oh Dieu, au nom de Yeshua, vous êtes là. Dieu dit, Dieu parle. Qui croit que Dieu parle? Que la lumière vienne. Et quand la lumière est venue, cette lumière dont parle Jean, Dieu, l'incarnation de Dieu, Dieu est venu. Et Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé. Il a séparé. Et bien, vous savez ce qui se passe? Tu étais dans les ténèbres. Tu dormais dans les ténèbres. Tu mangeais dans les ténèbres. Ta famille était plongée dans les ténèbres. Les ténèbres du péché, des traditions d'homme, les ténèbres de la religion. Et Dieu est venu, Dieu a amené sa lumière. Il est venu mettre le doigt là où ça fait mal. Il est venu révéler ton être. Et il va y avoir des séparations. Frères et sœurs, la parole. Dis à ton voisin encore la parole. Le Seigneur dit, la chair ne sert à rien, ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la lumière, quand elle arrive, elle amène la vie. Là où il y avait la mort, là où il y avait la condamnation, là où il y avait le péché, la parole que tu as écoutée cette semaine apporte la vie. Que l'ennemi le veuille ou pas, la parole apporte la vie. Je dis au nom de Yeshua.
ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Maladie, écoutez la parole de Dieu. Devant cette parole, tout le monde s'incline. Alléluia. Il y a un véhicule. On n'a pas le nom de la marque. DJ 865 AA. Il faudrait le déplacer. La parole. La parole. Je veux dire à ceux qui pensaient que tu es, que vous, vous leur apparteniez. Je veux dire à cet homme qui croyait que tu étais sa brebis, c'est trop tard, la lumière est venue. C'est trop tard, la parole est arrivée. C'est trop tard, je veux dire, alléluia! Je veux dire au péché qui poursuit ta famille. Je veux dire à quelqu'un, toi tu n'es pas comme les autres. Toi, pour toi, la parole est venue aujourd'hui. Pour toi, la parole est arrivée aujourd'hui. Je veux dire, tu n'es pas obligé de tomber comme les autres. Tu n'es pas obligé de finir comme les autres. Je veux dire à quelqu'un, la parole est venue pour toi afin que tu marques ta génération. Il y a la naissance des révolutionnaires ici au Gabon. C'est-à-dire des chrétiens révolutionnaires qui ont compris, qui ont réalisé que pendant des années, ils s'étaient éloignés de la parole et pour s'attacher aux traditions et aux commandements d'hommes. Maintenant que Dieu les a éclairés, ils sont devenus de fous et de folles de Dieu. Alléluia! Je veux dire à quelqu'un, si Satan était si fort que ça, il t'aurait tué quand tu le servais. Il t'aurait tué quand tu étais dans le péché dans le monde. Dieu, malgré nos péchés, il nous protégeait quand même. Maintenant que nous sommes dans la lumière, Satan peut encore moins nous toucher. Donc je veux te dire ce soir, à partir de maintenant, sers-toi de la parole que tu as reçue. Sers-toi de la lumière qui t'a éclairé au nom de Yeshua. Tu dois marcher de victoire en victoire, de percée en percée, de Alléluia! Si on t'appelle pour te dire, reviens à la prison, tu dois leur dire, je suis libre. Si on t'appelle pour te dire, reviens dans les ténèbres, dites-leur, hein, dis-leur, mon frère, ma soeur, dites-leur que vous êtes un peuple, le peuple acquis. Vous êtes le peuple acquis. Vous êtes, dis à ton voisin, tu es acquis. Tu es la propriété de la parole. Alléluia. Alors, je veux dire à quelqu'un, tout ce qui était déformé en toi, commence à prendre forme. Je te prophétise cela. Tout ce qui était déformé dans ta famille, parce que toi, tu as été éclairé, tu vas prendre cette lumière et tu vas éclairer les autres. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oh, vous voyez la puissance de la parole. Il y a quelque chose qui arrive. Hein? Oh oui. Je veux dire à quelqu'un, si tu as reçu le message de l'évangile, tu retournes à la parole. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour que tu, comme Gédéon, c'est pour aller renverser des forteresses. Je veux dire à quelqu'un ici, la parole que tu as reçue te donne l'autorité sur les puissances des ténèbres. Aucun sorcier ne peut se tenir devant toi, devant ta famille. À partir de maintenant, les choses changent. À partir de maintenant. Oh!
Je vous dis que la révolution arrive. Je vous dis que la révolution arrive. La révolution spirituelle, ce sont des guerriers et des guerrières. Ce sont des sentinelles. Ce sont des prophètes. Ce sont des apôtres. Ce sont des prophètes de la nouvelle génération. La nouvelle saison est arrivée pour l'église gabonaise. Le nouveau temps est arrivé pour les chrétiens de cette nation. Dieu dit, je vous ai rassemblés ici pour vous préparer, pour vous équiper, pour vous nettoyer, pour vous délivrer, pour vous remplir de ma présence. Et ensuite, je veux vous lâcher dans la nature. Je veux vous lâcher devant de faux lions. Vous allez leur démontrer la puissance du lion de la tribu de Juda. Et la parole s'est faite chair. Mon Dieu. Waouh, il se passe des choses ici. Il se passe des choses. Tu vois, non? Tout ce qui était déformé en toi, tout ce que l'ennemi a voulu voler dans ta famille, dans ta vie, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as reçu les promesses de Yahweh. Tu as reçu la parole de Yahweh. Tu as reçu les promesses de Yahweh. Tu as, oh, alléluia, la parole, la parole, la parole. Vous voyez ce qui se passe? La parole est créatrice. Cette parole qui sort, elle est en train de créer des choses qui étaient mortes en toi. Elle est en train de créer les choses spirituelles. Elle est en train de créer cet appel que l'ennemi a voulu détruire. Elle est en train de créer les choses de ton corps qui étaient abîmées. Elle est en train de créer la vie de sanctification. Elle est en train de créer la passion pour Jésus. Pourquoi au commencement? Ça veut dire quoi le commencement? Bereshit en hébreu. L'entête, la genèse, le début. Avant d'entreprendre quoi que ce soit le mariage, les affaires, les études, tu dois d'abord t'assurer que la parole est avec toi. Tu dois d'abord t'assurer que l'homme de Galilée est de ton côté. Tu dois d'abord t'assurer de cela. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu auras la parole avec toi, la parole est l'épée de l'esprit. La parole est la puissance, mes amis. Oh, alléluia. Satan connaît la puissance de la parole. Il connaît la puissance de la parole. Vous savez quoi? Les sorciers, ils connaissent cela. Ils font des incantations. Ce sont des paroles qui sont prononcées. C'est la parole. La puissance de la parole. Maintenant, nous avons la puissance la plus terrible. C'est la parole qui crée toutes choses. Et cette parole était au commencement. Cette parole a créé. Elle est capable de créer, de recréer, de restaurer, de ressusciter, de redresser, de réformer. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Là où il y a la mort, quand la parole arrive, la vie s'installe. Je veux dire à quelqu'un, alléluia. Oh. On t'a menti. On t'a dit que tu étais maudit. La malédiction, c'est une parole lancée. Tu peux te lever dans la prière maintenant et casser cette malédiction par la parole de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Si tu crois seulement en Jésus, si tu te mets à part, tu invoques le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom le plus terrible. La parole. L'église est née dans la parole. L'église est née avec la parole. L'église sera enlevée avec la parole. Nous ne parlons pas des traditions d'hommes. Nous ne parlons pas de la religion. Je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu vous dire que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, la parole véritable, cette parole-là qui est la vie, aujourd'hui, elle va changer ton existence. Je vous dis, qui le croit? Oh, Jesus. Redresse tes jambes. Jesus. Oh, Jesus. Qui le croit?
Oui. La parole. Alléluia, Seigneur, la parole. Tout ce qui est cassé là-dedans, là, se redresse. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, alléluia. Jésus Christ, alléluia. Tu es baptisé? Non, tu n'es pas baptisé. Tu n'es pas encore baptisé. Tu veux recevoir ton baptême? Tu es sûr? Tu vas aller prendre ton baptême? Tu peux aller prendre ton baptême. Oh, Jesus. Vous êtes là? Vous êtes là? Oh. Mais tu fais quoi encore avec ça? La parole. Va prendre ton baptême là-bas. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Allez le baptiser là-bas. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Dieu crée la vie. Alléluia. La parole. La parole. La parole est plus dangereuse que toutes les bombes nucléaires réunies. Oh. C'est pourquoi une assemblée où on n'enseigne pas la parole, il faut la quitter. Une assemblée où on passe son temps à danser, quittez-la. Une assemblée où on passe son temps à parler de l'argent, quittez-la. Dans nos assemblées, on doit plus parler de la parole. Et les offrandes, on met les paniers là-bas. Ceux qui peuvent, ils donnent. Ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas grave. Et on prend une partie, on nourrit les veuves. Voilà. C'est ça la parole. Un pasteur qui a trois voitures, quittait cette église. Tiens ton voisin, la parole. Là-bas au fond, la parole. 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 Oh non, Dieu. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Nous devons élever la parole de Dieu. Oh mon Dieu. Oh non, moi je suis le prophète des nations. On s'en fiche. Parlez-nous de la parole. Oh, j'ai voyagé en première classe. On s'en fiche. Parlez-nous de la parole. Nous voulons voir Jésus. Une église dirigée par papa et maman. Quittez-la. On n'a pas vu la femme de Pierre. Hein? La parole, la parole. Tiens quand ton voisin, le message.
Nous voulons le message évangélique. Parlez-nous de l'enlèvement de l'église. Parlez-nous de la fin de temps. Parlez-nous du millénium. Parlez-nous de la nouvelle Jérusalem. Parlez-nous comment les anges travaillent là-haut. Parlez-nous comment les 24 vieillards adorent Dieu. Parlez-nous de l'adoration. Alléluia. Parlez-nous du Père. Dis à ton voisin, l'esclavage est fini. Le contrôle est fini. Au nom de... Nous étions comme des brebis errantes. Chacun cherchait son chemin. Mais nous sommes retournés vers le berger, vers le gardien de nos âmes. Celui qui veille sur ton âme, ce n'est pas Chora, ce n'est pas ton bishop. Celui qui veille sur ton âme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Alléluia! Parce que quand les pasteurs dorment là, qui veille sur toi? Quand ils ronflent la crâne, qui veille sur toi? Je connais un homme qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Alléluia. Celui qui garde Israël ne sommeille ni. Ne sommeille ni. Oh ma soeur, moi qui suis homme de Dieu, marié, père de plusieurs enfants. Ma soeur, je trouve que tu vas être ma secrétaire. Dis-lui, pasteur, Jérémie le prophète avait un homme comme secrétaire, Baruch. Pourquoi toi tu prends une femme? Prends un homme! Alléluia! Alléluia! Mes frères, si un pasteur vous dit, oh frère, mon fils spirituel, dis non, je ne suis pas ton fils spirituel. Je suis un frère comme toi. Tu es mon frère. Jean l'apôtre disait dans Apocalypse 1:9, moi Jean votre frère, je suis ton frère. Je ne suis pas plus fort que toi. Ça se trouve que tu auras plus de couronne que moi. Oh mon frère, je trouve que ta femme va être ma secrétaire. Dis non pasteur, prends ta propre femme. Moi la mienne c'est ma secrétaire. Alléluia. Dieu te faisait la parole. La parole. Vous connaîtrez la vérité. Oh, c'est l'anniversaire du pasteur. Dis-lui, pasteur, oui, quand est-ce que tu vas fêter mon anniversaire à moi? Hey! 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 La parole! Dis à ton voisin, c'est le nettoyage. La délivrance. La liberté. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Je suis affranchi. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Oh, campagne d'évangélisation, amenez les malades, il y aura les miracles. Dis, pasteur, comment peux-tu savoir qu'il y aura des miracles? Est-ce que c'est toi qui commandes Dieu? Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Nous sommes les instruments. C'est lui le maître. Celui qui décide. Celui qui commande. Il fait ce qu'il veut. Oh, ça, c'est mon église. Ben, dis, pasteur, comme c'est ton église, moi, je cherche l'église du Seigneur. Oh, ce sont mes fidèles. Comme ce sont tes fidèles, mais moi, je cherche les vrais fidèles, ceux qui sont pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux-là que je veux, n'est-ce pas, avec qui je veux prier. Alléluia! Qui est libre aujourd'hui là? Jesus. Trop c'est. Nous sommes fatigués.
Nous sommes. Nous sommes. La délivrance arrive au nom de. Un seul nom nous est donné sous le ciel. Un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. J-E-S-U-S. C-H-E-R-I-S-T. Jésus-Christ de. Jésus-Christ de. Jésus-Christ de. Jésus-Christ de. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que le Gabon aime Jésus? Que le Gabon acclame Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus à minuit, Jésus à l'école, Jésus au travail, Jésus au marché, Jésus dans la rue, Jésus partout, 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 Jésus partout. Il est l'apôtre par excellence, le prophète par excellence, le pasteur par excellence, l'évangéliste par excellence, il est l'ancien par excellence, le diacre par excellence, il est le chemin par excellence, il est la vie par excellence, il est le père par excellence. Ne m'appelez pas révérend, je ne suis pas révérend. Un seul est révérend, un seul doit être révéré. Son nom c'est. Mes genoux, même dans la poussière, sont par terre. Seul Jésus est élevé. Ne vous agenouillez devant aucun homme, quel qu'il soit. Ne vous agenouillez devant aucun. Non. C'est le dernier jour. Laissez-moi élever Jésus. Laissez-moi vous présenter la parole. Laissez-moi vous parler de celui qui m'a fait la cour. Je me suis laissé faire la cour. Parce que jamais aucun homme ne m'a parlé comme il m'a parlé. Il sait comment parler. Il sait comment gagner les cœurs. Il sait comment préparer la nourriture. Il sait comment faire du poisson braisé. Il est le. Oh, ya 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 ya. Oh, le Seigneur des. Il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham soit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je. On lui dit, mais tu n'as même pas 50 ans, tu as déjà vu Abraham. Il dit, mais il a vu mon jour. Il dit à Pierre, Pierre, oui, on va payer l'impôt. Va à la pêche. Le premier poisson que tu vas attraper, ouvre sa gueule, prends deux pièces. Ne prends pas plus, deux pièces. Pierre a toujours pêché, il n'a jamais attrapé un poisson dans lequel il y avait de l'argent. Mais ce jour-là, le Seigneur ne l'a pas envoyé au Crédit Lyonnais. Il l'a envoyé à la pêche. Il y avait un poisson qui avait reçu l'ordre. Poisson, dorade, 8 mètres. Apporte les deux pièces là-bas, Pierre. C'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je suis tombé amoureux. Tu peux être la plus belle femme au monde et me draguer, tu ne mourras jamais. Tu peux envoyer toutes les sirènes des eaux, jamais, jamais, jamais. Parce que son amour est plus puissant, plus fort. Aïe, 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 aïe. Voyez, 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 aïe, 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 aïe. C'est ça les amoureux. Hein. C'est ça les passionnés. C'est ça les amoureux. Quand ils adorent Jésus, ils pleurent. Oh, je t'aime, doudou, mon bien-aimé. Je t'aime, mon chéri. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime, mon papa. Je t'aime. Aïe, 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 aïe. J'enlève ma couronne. J'enlève toutes les belles paroles que vous m'avez données. Je les enlève. Je les amène devant Jésus-Christ. Je dis, prends-les, Seigneur, c'est pour toi. Je suis nul. Jésus.
Oh non, mes bien-aimés. Toi, tu es qui? PDG? Tu es nul. Tu marches comme ça, avec tes talons. Un petit ver de terre t'attrape, tu meurs. On va creuser, on va te mettre dedans. Avec une belle rose. RIP. Retour interdit au pays. Fini. Mais Jésus, il est rentré sous terre. Trois jours après. Aïe 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 aïe. Il est sorti, mais il n'est pas sorti seul. Il est remonté. Mon Dieu. Regardez. Pour se soustraire de l'attraction terrestre, il faut des gros moteurs comme les moteurs de fusée. Mais Jésus s'est soustrait de cette attraction par la parole. Comme une plume, doucement. Il montait. Alléluia. Pierre et Jacques et tout ça, tout le monde l'acclamait. Alléluia. Il montait. Il maîtrise la nature. Jésus, au chantre de l'éternel, chantre pudique, orgueilleux. Tu es plus orgueilleux que même les chantres du monde. Avec ta voix. On s'en fiche de ta technique vocale. Nous voulons des chantres qui craignent Dieu. Le rap est rentré dans les églises. Yo, 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 le rap. Est-ce que vous pouvez vous imaginer au ciel là-bas, l'archange Michael rappe devant le trône? On dit tout. On dit tout. On dit tout. Alléluia! Au ciel, il n'y a pas le rap. Au ciel, il y a des belles harmonies. Il y a des belles mélodies. Pas le rock. À la Kofi Olomide, à je ne sais pas quoi là. À la roga, roga, tout ça. Là. Sorcellerie! Tête de sorcellerie! Des femmes chrétiennes avec des pantalons serrés. On voit leurs caleçons. Impudique, sirénisé, sirène de zoo. Mami Wata. Des hommes qui se disent chrétiens, avec beaucoup de ventre, chemise dans le pantalon, on voit toutes les fesses. Tiens ton voisin, impudique. Alléluia. Tiens ton voisin, la parole. La parole! La parole! Au commencement était! La parole était! Et la parole était! Celui qui aime la parole aime Dieu. Celui qui prend la parole, il marche avec Dieu. Satan, il vient, il dit, il est écrit. Toi, tu dis, Satan, il est écrit. Oh, ma soeur, Dieu m'a dit, tu es ma femme. Oui, Dieu t'a parlé, mais la parole dit, il faut le témoignage de deux personnes. Moi, je ne suis pas convaincu, donc je ne veux pas suivre ta vision. La parole. Et je vous dis, les vrais pasteurs qui aiment le Seigneur au Gabon, vous allez les voir. Ceux qui n'osaient pas parler, ils vont commencer à sortir pour parler. Parce qu'il y a des vrais pasteurs. Ils sont cachés. Ils vont sortir, des vrais prophètes. Vous allez voir ça. Après ce programme, c'est le feu partout. Après ce programme. Oh! Hein? C'est sûr qu'il y en a qui sont là. Fini. Vous allez revenir à la maison comme avant. Comme quand à l'époque où il n'y avait aucun titre. Quand vous êtes converti véritablement, les titres nous tuent. Les titres nous tuent. Voilà. Moi j'ai pris mon titre, j'ai dit à côté. Je suis frère. Appelez-moi frère. Tiens, ton voisin, c'est notre frère. Ce n'est pas une insulte. Hein? Ne m'appelez pas révérend, je ne suis pas révérend. Ne m'appelez pas Google, je ne suis pas Google. Ne m'appelez pas je ne sais pas quoi. Appelez-moi par mon prénom. Voilà. Un frère ou par mon nom. Quand tu es né avec le titre. On t'appelait comment? Jacques. Voilà.
Ah oui, c'est ça, non? Quelqu'un qu'on appelle frère, quelqu'un, il est humble, il s'est converti, il est zélé. On le prend, on le nomme bishop avec cérémonie qu'on appelle l'ordination. L'ordination, c'est démoniaque. Avec soutane, c'est démoniaque. Avec de l'huile de l'onction, c'est démoniaque. N'assistez pas à ces choses-là. On va vous envoûter. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Le retour à la. Le retour à la. On met soutane sur toi. Oh. Jésus avec elle soutane. Jésus, quand il partait quelque part, on ne le reconnaissait pas. Hein? Tellement qu'il était comme tout le monde. À tel point que Judas a dit, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Parce qu'il était comme tout le monde. Habillé comme tout le monde. Simplement, toi tu es le costume, même quand tu n'as pas l'argent. Costume. Alléluia! La parole, là! Là! Qui est libre? Qui est libre ici? Le peuple est libre ici. Est-ce que je vous ai parlé de Chora? Est-ce que je vous ai parlé de mon église? Est-ce que je vous ai dit de me suivre? Je vous ai parlé de qui? Je vous ai parlé du ciel de Jésus-Christ. Vrai ou faux? Devant Dieu, je suis quitte. Ah oui, je vous ai montré le chemin. Il y a un seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est clair? Pourquoi courez-vous après les hommes? Ces bishops qui viennent de loin, ils viennent ici, là, ils font des grands programmes. Et puis, vous allez là-bas. Allez, je vois ici quelqu'un qui a 1000 euros. Venez, je vois, il ne voit jamais vos péchés, il voit votre argent. Et s'il y a autant de charlatans, c'est à cause de vous. Vous les aimez, vous les caressez. Vous êtes leurs clients. On arrive quelque part. Il y a une Marthe ici qui est née dans les années 80. Dieu veut la guérir maintenant. Au nom de Yeshua. Dieu d'Israël. Oh, tu es bon. Oh, tu es grand. Oh, tu es magnifique. Tu es celui qui change le temps et les circonstances, Père. Dieu de gloire. Merci pour cette sœur que tu guéris, que tu restaures par la puissance de ton esprit. Toi, le seul maître que je connais. C'est toi, Marthe? Hein? C'est qui, Marthe, ici? Non, je cherche Marthe, elle est dans les années 80. Mais c'est pas grave, viens. Comme tu es malade? Hein? Lève tes mains. Sors. Sors. Au nom de Yeshua, quitte-la. Quitte-la. Sors d'elle! Au nom de Jésus. Ah, elle est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce? C'est la libération de sa vie et de toute sa famille. C'était sa prière. Au nom de Yeshua. Acclame Dieu. Dieu dit, sortez des bâtiments, vous êtes des prisonniers. Nous disons, oui, là où Christ n'est pas glorifié, là où on parle de l'argent, là où on parle de l'homme de Dieu. Tout évangile centré sur l'homme, rejetez-le. L'évangile est centré sur Dieu. La croix,
si on ne prêche plus la croix, la sanctification, la sainteté, le retour de Jésus, la crainte de Dieu, la haine du péché, l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, vous savez ce qu'il faut, ce qu'il vous reste à faire. Fuyez. Fuyez pour votre vie. Je dis à ceux qui pratiquent le péché, si vous mourrez comme ça, vous allez en enfer. C'est ça la parole. Vous voulez passer l'éternité dans un feu? Alors mettez de l'ordre maintenant. Vous qui êtes dans l'adultère, quittez l'adultère. Vous qui êtes dans l'impudicité, quittez l'impudicité. Vous qui êtes dans la sorcellerie, la masturbation. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Toutes les personnes qui veulent le baptême, venez vers moi. Venez. Venez ici. Faites l'accueil ici. Venez. Faites deux queues. Acclamez le Seigneur. Venez par ici, vous tous qui par ici. Faites deux queues ici. C'est le dernier jour. Ne ratez pas ce jour. Ne ratez pas. Ne ratez pas. Parce que vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve. Vous ne savez pas. Il ne faudrait pas dire, ah, si je savais, Seigneur, je veux repartir sur la terre pour restaurer les choses, c'est trop tard. C'est le temps, c'est le jour, c'est l'heure. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Suivez-moi. Faites les deux queues ici, suivez-moi. On y va. On va au ciel. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Mettez-vous ici. Waouh. Waouh. Regardez-moi toute cette foule. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu est grand. Oh. Non, on ne l'a pas acclamé bien comme il faut là, mes amis. Regardez-moi. Mettez-vous ici, là, là, ici, là aussi. Tout au long de l'estrade. Mon Dieu, acclamez Dieu. Les personnes baptisées, les personnes qui veulent le baptême, courez, courez, courez. N'hésitez pas. C'est votre jour, c'est votre temps. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Chrétiens, Gabonais, Gabonaises, mes amis, on peut encore de nouveau acclamer le Seigneur. Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus. Oh, et qu'on ne fasse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Ma vie a été créée. Jésus, oh mon Dieu, n'a vraiment pas de sens. Mais souvent, mais souvent, Jésus, venez pour le baptême, venez recevoir le salut. Le baptême. C'est le dernier jour, venez. Par toi et pour toi, Jésus. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a même pas mal de sens. Ma vie a été. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus.
Amen, on y va. Jésus. Amen. Je voulais que tu vois ça. C'est... Il n'y a pas de mots. Aujourd'hui même, vos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Aujourd'hui même, je vous dis, vous aurez beaucoup. Il y a des gens qui ne vont pas vous comprendre. Des gens qui vont vous rejeter. Vous allez voir Satan qui voudra vous récupérer. Mais n'ayez pas peur. Vous avez la grâce. Et tous les baptisés, demain matin, si ça vous intéresse, j'aimerais vous voir. Je veux prier particulièrement pour chacun de vous. Au nom de Yeshua. Parce que ça me touche de voir toutes ces personnes. Et on va s'organiser pour qu'ils aient, même de Osterwald, on va s'organiser parce que tout ça là, c'est fou à la BGC, on va s'organiser. Hein, on va s'organiser. C'est beau. Au ciel, il y a une grande joie. Ne vous inquiétez pas, toutes vos maladies, je prie que Dieu qui m'a envoyé ici, qu'il vous libère définitivement au nom de Yeshua, le Seigneur et Sauveur. Levez vos mains. Il y en a qui vont recevoir le don de vision, le don de prophétie, le don de songe, le don de parler en langue. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez remplis de Dieu, soyez remplis par le Saint-Esprit. Père, je te présente ces hommes et ces femmes. Oh Papa, merci. Que ton Saint-Esprit, que ton onction vienne sur leur vie. Au nom de Yeshua, maintenant, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Oh Alléluia. Le Seigneur pardonne vos avortements. Le Seigneur pardonne à cette femme. Tu as beaucoup avorté, ma fille. Je te pardonne aujourd'hui. J'ai vu tes larmes, j'ai vu tes pleurs. Je te pardonne maintenant. Il y a une onction qui vient sur toi. Oh Alléluia, oh Alléluia. Toi qui as pris le mari d'autrui. Toi qui es sorti avec cet homme marié, je te pardonne parce que tu as demandé pardon, parce que tu as pleuré. Je te libère aujourd'hui. Je te guéris au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique Seigneur, magnifique Papa, magnifique Père. Alors regardez par ici. Suivez les deux frères qui sont là-bas pour le baptême. Allez les baptiser tout de suite. Au nom de Yeshua. Il y en a qui vont recevoir des dons de l'esprit après le baptême, dans le baptême même. Au nom de Yeshua. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Wow! Sont avec nous, ils sont enfermés. Stéphane, tenez-vous par ici. Vous qui allez prendre vos baptêmes, ne vous inquiétez pas, même si vous avez des maladies incurables, par le baptême, hein, au nom de Jésus de Nazareth, après le baptême, Dieu vous a déjà guéri au nom de Jésus. Toutes les personnes que la médecine a condamnées, venez, vous qui êtes avec nous là, venez prier pour toutes ces personnes. Au nom de Jésus. On va exercer le service de la guérison que Dieu nous a confié. Il nous a dit, allez et guérissez les malades. Tenez-vous ici. Les gens vont venir, vont faire la queue. Et imposer les mains. Et puis, passer à autre chose. À quelqu'un d'autre. Sida, cancer, hépatite, tout ça. Diabète. La sœur qui a témoigné de la guérison du sida. Elle était venue au mois de février. Programme. Elle avait le sida et le Seigneur l'a guéri et elle a ramené des preuves de sa guérison. Vous qui êtes condamnés, vous ne savez pas quoi faire.
Et je demande à tous les enfants de Dieu de se joindre à nous, s'il vous plaît. C'est le dernier jour. On finit bientôt. Joignez-vous à nous dans la prière. Prions ensemble. Même là où vous êtes. Que Dieu guérisse ces hommes et ces femmes. Les sœurs qui sont avec nous, vous pouvez aussi prier pour les gens. Vous avez le Saint-Esprit aussi. Je suis là qui prie.
Alléluia. Alléluia. Nous nous retrouvons demain matin. Demain matin à partir de 9h. À Nzengayong. Au niveau de l'hôtel de la Cannes. Un peu plus bas, il y a une mosquée. On se retrouve là. On va passer une dernière réunion. Vous êtes invités, vous qui le voulez. Donc, si vous voulez des informations, rapprochez-vous de moi à la fin. Demain matin, à partir de 9h, en Zéphion, après l'hôtel de la Cale, au niveau de la mosquée. Il ne m'abandonne, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh, mon papa, est fidèle. Il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh, je suis dans la joie, dans la joie, une joie immense. Car Yahweh, je suis dans la joie, une joie. Oh, je suis dans l'allégresse. Je suis dans la joie. Chanter ma joie, Seigneur, car en toi j'ai la victoire, mon roi. Devant moi tu as terrassé mes ennemis, tu les as livrés publiquement en spectacle. Je veux chanter ma joie, Seigneur, car en toi j'ai la victoire, mon roi. Oh, devant moi tu as terrassé mes ennemis, tu les as livrés publiquement. Oh, je veux chanter ma joie, Seigneur, car en toi j'ai la victoire, mon roi. Devant moi tu as terrassé mes ennemis, tu les as livrés publiquement en spectacle. Tu as humilié
veux chanter ma joie, Seigneur. Car en toi j'ai la victoire, mon roi. Devant moi tu as terrassé mes ennemis. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Je veux chanter ma joie. Car en toi. Tu as terrassé mes ennemis. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Tu as humilié. Oh, tu as terrassé tous ceux qui les aiment. Tu as humilié tous mes adversaires. Tu as terrassé tous ceux qui les aiment. Oh, les Carmel et ma bannière. Oh, l'Éternel est ma bannière, alléluia. Il est le roi des rois. Oh, l'Éternel est ma bannière, alléluia. Il est mon protecteur, mon rocher, ma forteresse, mon bouclier, mon appui, il est mon libérateur. Mon rocher, ma forteresse, mon bouclier, mon appui, il est mon libérateur. Oh, l'Éternel est ma bannière, alléluia, il est le Tout-Puissant. Oh, l'Éternel est ma bannière, j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, oui, la pluie et le vent souffleront, et même Satan. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est. Se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais la pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur.
jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je le loue avec ma voix. Oh, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Oh oui, je le loue avec ma voix. Si je n'ai plus de voix, si je n'ai plus de mains, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai plus de pieds, et si je n'ai plus d'âme, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Si je n'ai plus de voix, oh, si je n'ai plus de mains, si je n'ai plus de pieds, oh, et si je n'ai plus d'âme, oh, et si je n'ai plus d'âme, oh, oui, Dieu. Cherche Papounet. Maman Zita cherche Papounet. Si elle est là, qu'il vienne au podium. Alléluia. Amen. Chris Rabani cherche sa mère. Chris Rabani cherche sa mère au nom de Charline. Il est au podium. Chris Rabani cherche sa maman au nom de Charline. Il y a quelqu'un maman qui a laissé son téléphone. Sony Ericsson, la marque Sony Ericsson. Téléphone Sony Ericsson, un petit téléphone. Maman Thérèse cherche Pierre. Maman Thérèse cherche Pierre. Elle est au niveau du podium.
Dieu. C'est une reine. Tu sais que Dieu m'a oint pour te chasser. Et tu le sais. Tu ne peux pas nous toucher, tu ne peux même pas me regarder. Je te dis, viens ici maintenant. Ici, c'est là devant que je t'appelle. Là, 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 là. Le corps que tu tiens, c'est le corps de ma soeur. Je te dis, viens ici. Voilà, un ordre que je te donne. Viens là, nom de Jésus. Je dis ici, c'est là, à genoux. Et tu vas la lâcher définitivement. Au nom de Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Dieu? Jésus. Qui est le roi de rois? Jésus. Qui aime cet enfant? Jésus. Tu ne seras plus au service de mamie ou à ta jeune fille. Fini. Voilà, à genoux. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes genoux se plient maintenant au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tes genoux se plient maintenant dans le nom de Yeshua. Maintenant, 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 je dis maintenant, maintenant, au nom de Yeshua, mon Seigneur et mon Sauveur, le Dieu d'Israël, le Dieu de gloire, au nom de Yeshua. Tu vas confesser ton péché, jeune fille. Tu vas confesser ton péché, tu vas confesser ton mal. Et cet esprit n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Aucun pouvoir. Aucun. Levez vos mains. Je pensais finir là. Mais vous êtes là, vous avez soif. La puissance de Dieu. La puissance de la délivrance. Je dis maintenant que tous les démons qui vous hantent, que tous les démons qui vous hantent, je dis que tous les démons qui vous hantent, je leur donne des ordres maintenant, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que ces esprits de sirène, ces esprits de mari et de femme de nuit, que ces esprits s'en aillent et je prie en même temps, là, je prie en même temps. Que vous receviez une onction nouvelle, une fraîche onction, une fraîche onction. Je prie maintenant, voici la puissance de Dieu pour vos appels, pour vos services, au nom de Yeshua. Le feu de Dieu est là pour vous, le feu de Dieu est ici pour vous. Maintenant, il y en a qui reçoivent de parler en langue. Cet esprit se met à genoux, Dieu l'oblige. Maintenant, voilà la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. L'onction divine au nom de Yeshua, la puissance de la croix. Voilà. Levez vos mains, ne la regardez pas. Recevez votre grâce. Voilà. Tu as soif, mets-toi à genoux. Au nom de Yeshua, tu te mets à genoux maintenant. Au nom de Yeshua, tu vas repartir dans les eaux. Tu vas repartir d'où tu viens et tu vas lâcher toute sa famille maintenant, 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 maintenant. Tu repars dans les eaux. Je dis maintenant, maintenant, voilà, tu sors, tu sors, tu sors. Voilà, tu t'en vas maintenant. Tu t'en vas maintenant. Maintenant, jeune fille, Yeshua te libère. Yeshua te libère. Ne la touchez pas, ça part par la toux, ça part, 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 ça part au nom de Yeshua, ça part au nom de Yeshua. Oh, Jesus Christ, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Fini, 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 fini. Pourquoi vous regardez? Priez. C'est une occasion que Dieu vous donne. Priez Dieu. Priez Dieu.
vous avez encore soif, priez Dieu, 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 priez Dieu. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Tu ne pars pas, tu restes là. C'est un ordre que je t'ai donné. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Voyez comment la sirène là. Vous savez pourquoi cet esprit réagit comme ça? Cette fille l'aime. Apportez-la ici. Elle collabore avec elle. Il faut qu'elle abandonne. Ma soeur, viens. Toi. Ouais, toi. Viens. Viens. Viens, viens. Nous voulons qu'elle abandonne la sirène des eaux. Et à la grâce sur ta vie, Dieu t'aime beaucoup. Oh, merci Seigneur. Magnifique Père. Viens, monte ici vite. Oh, vous avez bien chanté. Levez vos mains, je prie pour vous. L'onction va rester sur vous. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Oh, Jesus. Holy God. Oh, c'est la puissance de Dieu. Aide-la. Oh. Voilà, laissez-la coucher là. La sirène, couvrez-la maintenant. Mettez un panne sur elle maintenant. Voici la puissance de Dieu. Là, Jesus. Voilà. Voyez le serpent là. Elle a fait un pacte avec cet esprit. C'est un gros boa. Mes soeurs, quand ce démon va partir, il faudrait beaucoup parler avec elle. Satan l'a mandaté pour faire tomber les hommes. Vous voyez, ça c'est un gros boa. Ce boa la mesure plus de 20 mètres. Vous voyez ça? Voilà. Ça c'est une reine. Elle a tout un royaume à elle. Ouais. Elle est tellement... Là, la puissance de Dieu est telle que elle ne peut plus nous menacer. C'est fini. À genoux. Voilà. Fatigué, la puissance de Dieu. Voilà, acclame le Seigneur. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire. Oh magnifique, magnifique, magnifique. Oh magnifique, magnifique, magnifique. C'est beau, hein? C'est beau. Hein? C'est beau. C'est déjà réglé, maman, c'est déjà réglé. Tout est réglé. Tout est réglé. Sois béni, mon frère, au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Sois béni. Au nom de Yeshua. Oh, une onction prophétique. Tu vas enseigner mon peuple. Portez-le ici, là. Portez-le ici, là. Il y a une onction prophétique. C'est un frère que Dieu va utiliser comme prophète. Oh, il y a une onction, là, ici, là. Levez vos mains, ici, là. Voici la puissance de Dieu sur vous, là. Aidez-les, aidez-les. Oh. Puissant de Dieu ici, là, c'est magnifique, magnifique onction, magnifique. Venez, courez ici, courez ici, courez ici, venez ici, aidez-la, aidez-la, voici la puissance de Dieu, aidez-la, l'onction ici, là, oh, il y a une puissance ici, là, oh, recevez, voici, aidez-la, puissant de Dieu ici, là, oh, la puissance de Dieu ici, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, magnifique, vous la voulez, vous la voulez, vous la voulez, vous la voulez, Jesus. Oh, oh Jesus, il y a quelque chose ici là, quelque chose ici là. Il y a quelque chose, c'est fort ici là. C'est fort, cours ici, cours ici, cours ici. Une onction prophétique sur toi là pour les chants prophétiques, voici la puissance de Dieu. Il est là, voici la puissance de Dieu, il est là. Oh, magnifique, magnifique. Voici la puissance de Dieu sur toi là. Oh, la voici sur toi. Il est là, voici sur toi. Jesus, magnifique, magnifique. Viens frère, viens frère. Cours, 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 cours. Il y a quelque chose ici sur vous là. Il y a quelque chose. Cet album va libérer les âmes. Jesus. Aide-le. C'est quelque chose. Aide-le. Quelque chose ici là. Quelque chose ici là. Quelque chose ici. Cours ici. Cours ici. Cours ici. Cours ici. Cours ici. Quelque chose sur lui là. Une onction ici là. Une onction. Aide-le. Jesus. C'est fort. C'est fort. Oh. Là. 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 Sur elle. Jesus. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique.
C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a des prophètes ici, là. Il y a des prophétesses, prophétesses. Jesus. Il y a quelque chose ici, quelque chose ici, là. Il y a quelque chose ici, là. Voici la puissance de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Oh. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Et t'es là, la puissance de Dieu. Là, 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 la puissance de Dieu. Aide-le. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. C'est fort, hein, c'est fort, hein, c'est fort. Il y a des fardeaux qui sont ôtés. Il y a des fardeaux qui sont ôtés. Qui sont ôtés, 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 ôtés. Voici la puissance de Dieu. Portez-le ici, là, portez-le ici, là, portez-le. Portez-le, 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 portez-le. Oh. Oh. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Vous voulez être guéri? Voici la puissance de Dieu. Là, 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 là. Jesus. Jesus. Oh. Oh, le cancer ici, c'est fini. Le sida ici, c'est fini. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Oh, le frère là-bas, en blanc, voici la puissance de Dieu. Aidez-le. Voici l'onction du Saint-Esprit sur toi. Tu vas beaucoup évangéliser à partir d'aujourd'hui. Aidez-le. Voici la puissance de Dieu sur toi. Là. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. La puissance de Dieu. Aidez-la. 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 Voici la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Celle qui est assise là, apportez-la ici, apportez-la ici, la puissance de Dieu sur elle. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Aidez-la. Aidez-moi ces gens. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Adorons Dieu, 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 adorons Dieu. Il y a des manteaux nouveaux ici que Dieu vous donne. Il y a des équipements nouveaux. Il y a des manteaux nouveaux. Voici la puissance de la prière. Voici la puissance de Dieu. Oh. Oh. Adorons-le. Remercions-le. Voici la puissance de Dieu. Voici l'onction du Saint-Esprit. Voici la présence de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Oh, 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 oh. Et de ce frère, et de ce frère, et de ce frère. Oh. Oh, voici l'onction du Saint-Esprit. Jesus. Wow, 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 wow. Bien, bien, bien. Jesus, Jesus. Un enfant arrive là, un enfant arrive là. Oh, Jesus. Aidez-le. C'est magnifique, c'est magnifique. Allez acheter un berceau, c'est bon, c'est acté, c'est acté, c'est acté. Allez acheter un berceau, c'est acté, c'est acté, c'est acté au nom de Yeshua. Oh, voici la puissance de Dieu. Jesus Christ, alléluia, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, la porte est ouverte, la porte est ouverte, Katia, tu es habillée en robe de mariée, Dieu t'a fait signer un contrat, au nom de Yeshua, oh Jesus, voici la puissance de Dieu, voici la puissance de Dieu, ton fils est un prophète qui servira Dieu, Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus.